agir en tant que gestionnaire de rivière ou d'espace naturel sur le sujet. Donc n'hésitez pas, moi je serai à votre disposition suite à cet événement. Mylène, si tu le souhaites, je te laisse la parole. Oui, ben, très brièvement, d'abord, je voulais remercier toute l'équipe de l'ARP, Claire, Corinne et Gunel pour l'organisation de cette réunion. Effectivement, bon, on voit que c'est une dynamique qui est en progression constante, hein, les pollutions plastiques dans les milieux naturels. Il y a 160 partenaires qui sont engagés dans la charte. Les parcs incluent de plus en plus au cours des révisions des chartes un axe déchets plastiques. On voit que les syndicats de rivière, aussi dans les contrats de rivière, commencent à mettre en place des axes dédiés au ramassage et aux caractérisations. Pour la suite, ce qui reste à faire, en fait, c'est que je pense qu'il est nécessaire d'optimiser toutes les synergies que l'on peut mettre en place sur les territoires avec tous les acteurs qui tournent autour de cette thématique des déchets, que ce soit les gestionnaires de milieux naturels comme aujourd'hui, mais aussi les collectivités, les associations locales, l'OFB, les institutions, alors bon, l'ADEME, l'OFB et on l'espère l'Agence de l'eau. Les EPCI, leur rôle, en fait, elles ont pour compétence de prévenir et de mettre en place des actions correctives sur ces pollutions plastiques. Alors, pas que forcément sur l'aspect déchets, au travers des programmes locaux de prévention des déchets ménagers assimilés, au travers du tri ou de la collecte des déchets, mais aussi une synergie à mettre en place au sein de leurs propres services, que ce soit les services voiries, que ce soit les services de propreté urbaine, mais aussi et surtout tout ce qui est exploitation des stations d'épuration et gestion des réseaux. Alors, on l'a vu hein, dans l'exemple de Cannes, Pays de l'Hérens. C'était plus ou moins un plan territorial de lutte contre les pollutions plastiques mis en place. Pas forcément celui qui était proposé par Armorse, mais en fait ça s'y rapproche. Donc l'idée, enfin nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait de plus en plus de collectivités qui s'engagent dans ces synergies de travail interservices, puisqu'on l'a vu, hein, la gestion des stations d'épuration et les transports qui sont effectués par les réseaux, et notamment les réseaux pluviaux, sont une des principales sources de véhicules des pollutions plastiques. Et après aussi, un autre enjeu peut-être par la suite, c'est l'amélioration des connaissances, parce que même si il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites au niveau des parcs et au niveau des associations, il y a encore beaucoup de choses, je pense, qui pour lesquels on manque d'éléments chiffrés, de connaissances. Donc, les modélisations peut-être des transports des pollutions plastiques et notamment peut-être des microplastiques. Les teneurs peut-être dans les sédiments au niveau des rivières, mais pas que, je pense aussi au niveau des barrages hein, qui font un peu obstacle et du coup qui font une zone d'accumulation des plastiques qui après se délitent, on va dire, en micro et en nanoplastiques. Et après, le rôle de l'État, peut-être renforcer les contrôles, les sanctions, agir peut-être aussi au niveau des entreprises. Alors, la région a un dispositif financier, on en a parlé ce matin, l'appel à projet zéro déchet plastique, qui est plus orienté sur les actions en matière de protection des milieux naturels, mais pas que. Et on a un autre dispositif qui est plus à destination des entreprises qui mettent en place un peu de l'éco-conception, des actions qui visent à réduire l'usage du plastique dans la fabrication de produits. Mais voilà, on a quand même besoin d'avoir autour de la table tous les acteurs et notamment les acteurs de l'État, les agences de l'eau. Du coup, voilà, moi je conclue peut-être par une idée que je lance de programmer peut-être en 2022 un atelier sur voilà les retours d'expérience sur les communes qui ont mis en place des filets
sur voilà, les retours sur les opérations de sensibilisation dans les rues, hein, sur les cris d'avoir, comme on l'a vu sur Cannes. Donc voilà, moi je suis preneuse pour mettre en place ce type d'atelier retour d'expérience et voilà, de travailler peut-être un peu plus sur l'axe amélioration de la connaissance. Voilà, merci à tous pour vos présentations en tous les cas et les actions que vous menez au quotidien sur le terrain. Merci beaucoup. Merci Mylène pour ta conclusion. Écoutez, voilà, on réitère nos remerciements pour tous les intervenants, hein, pour ces deux matinées qui ont voilà, été assez riches d'échanges. Moi, je voulais remercier au nom de la RBE, évidemment, nos partenaires, hein, la région, l'ADEME, l'OFB, qui pilotent cette mission régionale sur les pollutions plastiques. Et puis merci à mes deux acolytes, Gunelle et Corinne, hein, donc les animatrices des deux réseaux avec qui on a monté ces deux journées. Voilà, je rebondis simplement sur les deux dernières interventions sur le chat. En effet, il y a pas mal d'outils qui existent, hein, qui sont notamment déployés par Surfrider. N'hésitez pas à les contacter si vous souhaitez en savoir plus sur les projets, notamment qui vous permettront de caractériser, d'identifier, de collecter des données sur les terres, notamment sur le sujet des pollutions plastiques. Voilà, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez les moindres questions. En tout cas, les vidéos, les interventions, les PowerPoints seront mis en ligne et on vous enverra un mail à tous lorsque ce sera fait et disponible. Bonne journée à tous. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Bonne journée. Oui, je mets fin. Ah, merci.